Demandez à votre maman de le faire, car c'est dangereux. Oui, il y a 5 Pélichinois. Aujourd'hui, on va faire un crumble. Pour faire un crumble, on a besoin d'une préparation et d'un saladier. On a besoin de 700 grammes de fruits et un plat. Il y a des abricots, des bananes, des fraises, du kiwi et aussi des pommes. Et des framboises aussi. Allez, je vois ces préparations. On a besoin de 3 cuillères de café de sel. Allez, tu mets un peu. Maintenant, on va mélanger la préparation. Pensez à vous laver les mains. Et oui. Regardez, ça fait une boule. Oh, j'ai envie d'un mousse. Et aussi, regarde, ça fait une boule. Ouais. Et regardez. Oh, c'est bizarre. Mais ça me pose. Regardez ma rose. On dirait que c'est bizarre. Tu peux la rapprocher. Maintenant, je vais mettre les fruits dans le plat. Ah, il y a des framboises. Maintenant, je vais mettre le crumble dessus. Ah, je pensais qu'on allait mettre. C'est comme la chanson de Zootopia. Zootopia, pas Zootopia. Et épouse-toi là. Mais moi j'ai le droit. Parce que des fois toi tu l'appelles Zootopia. Allez, c'est parti, on met des crumbles. La la la, il va être bon les crumbles. Maintenant je vais mettre le crumble au four. Je fais les 30 minutes. Dans 50 secondes de gris. Demandez à votre maman de le faire, car c'est dangereux. À tout à l'heure. C'est bon, les crumbles est prêt. On va les goûter maintenant. Ouais, on va les goûter. Trop bon, c'est trop bon. C'est pas bon, j'aime pas. Je te marque à la fin. Moi, je te marque à la fin. Bye bye. Mais si on dit bye bye, elle me bouffe quand même le gâteau. Thank you.